Bonjour, c'est Grifox. Je vous retrouve pour une partie de StarCraft. On est en Protoss contre Terran, on joue sur Lua Nocturne et on a un niveau de jeu Diamant 2 autour de 3800 MMR. Je crois que je vais full grid aérien sur cette game, ça me saoule. J'avais même pas le temps de boire un peu de thé. C'est terrible. Alors, Terran en face, ouais bon, rien à signaler de particulier. B2 très fast, ça marche. On part donc plutôt en macro. Hop, la B2. Bon, je suis un peu plus late que lui, mais je suis plus safe sur mon early. Vraiment là. Putain, à chaque fois je me la fais bolos, mon récolteur. C'est censé être un scout anti-proxy, mais je perds juste un récolteur en fait. C'est juste hyper chiant. Faudrait peut-être que je revoie le timing du truc. Putain, j'ai oublié. Bon. J'ai oublié le pylône, putain. Bon, bah c'est la sauce. Go faire un déploiement complètement à l'arrache. Adieu mon écho. Évidemment, juste quand je bouge mes stalkers, je me fais bolos. Alors ça régale. Bon allez, heureusement ça je lui prends, il va rien faire. Bon, je suis quand même gagnant sur le trade, mais c'est chiant. Vraiment là? En vrai, pour l'instant, il m'a pas fait beaucoup de dégâts économiques. C'est plutôt ok. On va faire la charge quand même.
Avec les sentinelles, je vais essayer de catch ses tourmenteurs s'il revient. Ce sera assez stylé. On va go ambitionner la B3, j'ai envie de dire. Je vais faire un aérien hyper rapide. On verra ce que ça donne. Je vais quand même faire une robot pour la détection. On va aller prendre un peu d'infos. Ça se tente la B3 là ou c'est du grid? Bon. Est-ce que c'est grave de grid? Ça se discute. Ok, j'ai ma charge, je vais faire des zélotes. Ok, ça prépare du bon gros push, ça je connais. On va quand même se faire de quoi se faire quelques archontes, ce sera assez utile pour tempo ce qu'il a. Je vais faire ça, tiens. Sur les archontes, ce sera stylé d'avoir de l'armure. Hop. On va faire juste une détection. On va essayer de go porte nef. C'est archi greedy, hein, mais bon, là j'en suis à un stade où OZEF. Faut juste que je surveille ses agressions. Allez, ça, je vais me faire bourrer. C'est obvious. Je vais quand même me warper un peu des trucs parce que là, ça peut me foutre très très mal très très vite. On va chrono ça. Est-ce que je peux sortir un immortel au moins? Ok, son armée est là-bas. Ouais, ça fait beaucoup quand même. On va essayer de barricader ça un tout petit peu. Faudrait quand même que je puisse me warper un peu plus de trucs. En vrai, on va essayer de sortir du porte-nef. Je vais go porte-nef zélot. Faudrait vraiment que je le chrono booste à fond. Ouais, non, c'est bon, je vais prendre trop cher. Dès que je prenne la hauteur là. Ok, si déjà je peux gratter des machins. Je l'ai pris un petit peu. Hop, j'essaie de le split. J'ai des charge dots. Là je le bolosse, hein. J'ai pris un très bon fight au niveau du positionnement. Okay, il a un tank là-haut. Je me replace. Let's go. J'ai du porte-neuf qui arrive. J'ai mes upgrades qui arrivent. Je peux en refaire un ou pas? Je suis full pop, je vais le bourrer. Je vais passer par là. Est-ce qu'il est encore là déjà? Let's go, merci pour le tank. Oh là là, le hot pose! Le positionnement, les amis, tellement petit! Et le porte-neuf qui arrive, let's go! C'est le beau jeu! Ok, bon, il caille de ouf, c'est relou. Mais il va quand même bouffer, vous inquiétez pas. Allez hop, salut le medivac, il a plus de steam. Il va vite être en galère. Bon, allez, on va arrêter là. Je vais quand même devoir faire, je pense. On va go B3. On va se refaire un peu plus de prod. On va go B4. En vrai, je lui ai mis une sacrée sauce là. Moi, faut que je fasse gaffe parce que là, je suis un peu greedy quand même sur mon développement, mais bon. Faudrait un peu plus d'archonte pour avoir un peu de l'AOE, parce que bon, contre sa compo ce serait bien.
Tac, on va aller prendre un peu de vision. Je rush les upgrades comme jamais. On va essayer de blinder cette base aussi. Ok, ça, ça veut dire qu'il va me bourrer. Je vais péter ça, ça pourra me gêner par la suite. On va essayer d'aller prendre un peu d'infos sur son écho en face. Je pense que je vais aussi me faire du colosse parce qu'il a l'air de jouer Bio Ball. Ça pourra quand même m'aider beaucoup. Allez hop, de l'arconte, de l'arconte. Faut que je puisse gérer sa pop au sol en fait, hein. C'est surtout ça qui est important. Ok, je vais pouvoir balancer le full armure. Ça c'est pas mal. J'ai bien envie de lui envoyer un petit run by. Ok, là ça va arriver par ici. On va essayer d'être en position. Alors j'ai toujours pas mon blink, ça c'est un peu... Ok, il a full steam. Ça c'est vraiment du grid de sa part. Allez hop, ça je prends. Ok, faut que je fasse gaffe parce que là il me prend beaucoup. Je peux sortir un colosse ou pas? Ouais. Ok, je suis full pop. On va chrono les upgrades et on va push. Hein. Je peux chrono mon colosse. Tiens, on va lui faire la lance thermale. Allez, on va voir s'il est pas en position. Ça donne envie d'y aller. Hein. Le problème, c'est que là, il me prend beaucoup. Ok, les mines. Il est en 2-1. Mes archontes qui défoncent tout en zone. Les upgrades. Vraiment, là, je peux pas def. C'est chiant en fait. Que je l'intercepte. Le blink est toujours pas fait, mais je suis en position pour le choper. C'est, ça régale. Il m'a pris des récolteurs ou pas? Non. On va go B5. On va juste reblinder la B4 qui, du coup, a perdu un peu en blindage, on va dire. Allez, go. Ok, il y a pas mal de mines. Toujours pas fini le blink, putain c'est relou. Je vais refaire du colosse encore, ça pourra me servir parce que vu la compo qu'il joue. Et c'est le GG. Bon, c'est pas évident. Même une sacrée pression. Mais heureusement que j'ai bien pris les fights sur leur lit quand il a joué très agressif et après j'ai dominé. Ça, ça régale. Ouais, valeur d'armée, je l'ai éclaté en macro. Ouais, il remontait bien à la fin, mais... Et puis les upgrades, j'étais bien. Bon, mais écoutez, petite game sympathique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.